prochainement dans Ici Tout Commence sur TF1. Rose souhaite créer un master, elle, institut, au grand dam de Clotilde. Après quelques tensions entre les deux droits d'auteur purs sur ce projet, Rose lui propose d'être co-créatrice et co-créatrice du master. La compagne d'Antoine pense que leurs complémentarités peuvent faire leur force. Ainsi, Clotilde accepte le projet. Quelques jours plus tard, Rose et Clotilde ont convoqué les élèves de 3e année pour évoquer le master. Salomé est ravie de la nouvelle, tandis que la chef Armand précise que cela reste le début, mais qu'il devrait être lancé pour la rentrée. Clotilde explique que le master se fera sur 2 ans afin d'aider les élèves qui ont un projet professionnel précis. Il permettra aux étudiants de se perfectionner lors des masterclass sur des points plus précis que dans leur cursus traditionnel. N'étant pas là lors des entretiens entre les élèves et Rose, Clotilde demande aux élèves de leur présenter leur projet d'avenir. Un élève timidement la main et explique son projet de concept store. Elle souhaite mettre en avant la culture vegan avec une identité trace marque filière durable et des produits bio, locaux et sources. Clotilde fait la moue et demande comment le projet peut fonctionner. Anne explique, il y aurait une partie restaurant et une partie magasin. Rose affirme que le projet est prometteur, mais Clotilde, interrogée, se demande si c'est un restaurant ou un magasin en premier lieu. Anne explique que c'est un concept store et que cela se fait déjà. La chef Armand retorque, de Gressica se fait déjà, pourquoi ouvrir le vôtre? Plus ou moins moment de silence et de Jean dans la salle, Clotilde ne comprend pas le projet d'Anne. Elle termine un cursus en cuisine et parle de vendre des produits vegans. Elle lâche, de graisser, et peut-être une école de commerce que vous auriez dû faire, plus ou moins. Rose tente de tempérer les choses. Puis, plus personne n'ose lever la main pour présenter son projet. Clotilde décide d'interroger Salomé. Elle souhaite ouvrir son restaurant, de gré quelque chose de très contemporain, plus ou moins affirme la jeune femme. Chef Armand demande de développer. Mais explique, Hélène, a pas encore tout à fait son identité culinaire et souhaite y réfléchir encore. Clotilde enchaîne. De gré, il faut que vous sachiez ce que vous voulez faire, sinon comment voulez-vous qu'on vous aide, plus ou moins. Prend la défense des élèves et estime qu'ils sont là pour les aider à affiner leur projet. Clotilde agace et explique. De gré ne peut pas travailler sur du vide. Il faut un minimum de matière, plus ou moins. Deception se lit sur les visages des élèves après les propos destructeurs de Clotilde sur leur projet. Ici tout commence et à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1.